Mes très chers frères, mes très chères sœurs, chers amis, 2019 se termine et il est temps d'en faire un rapide bilan. Pour nous, francs-maçons du Grand Orient de France, 2019 aura été une année de combat pour la défense de la laïcité. Le Grand Orient de France aura été aux avant-postes pour la défense de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État. Nous nous réjouissons de l'abandon du texte visant à modifier cette loi. Nous sommes également satisfaits des paroles du président de la République lors de ses vœux aux Français quand il a rappelé qu'il était le garant de la laïcité dans notre pays. Mais derrière la laïcité se pose un autre problème, celui des tensions de plus en plus fortes qui existent entre les différentes communautés. Il nous appartient, à nous francs-maçons, dans nos loges et au-delà de nos loges, à travailler pour que la République reste une et indivisible, pour que le peuple français fasse nation. C'est là notre responsabilité historique. À côté de cela, au cours de l'année 2019, nous avons travaillé sur les phénomènes migratoires. Les migrants, qu'ils soient d'origine économique, politique ou climatique, sont des hommes et des femmes qui se retrouvent sur les routes et qui n'ont pas demandé à quitter leur pays. Dans ces populations, nous nous sommes intéressés aux plus faibles d'entre eux, ce que l'on appelle les mineurs isolés étrangers, qui sont en fait des enfants. Il est de notre responsabilité d'aider ces enfants. J'en profite pour remercier la Fondation du Grand Orient de France, qui a mobilisé une grande partie de ses moyens pour venir en aide à des associations qui, sur le terrain, travaillent aux côtés de ces mineurs isolés étrangers, travaillent à côté de ces enfants pour les aider à retrouver une dignité. 2020 est l'année des élections municipales dans notre pays. Je vous invite à aller voter en masse, car le droit de vote est un droit important. Je vous invite également à voter, quelles que soient vos opinions politiques, pour des partis républicains et pour exclure les extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche. L'extrême droite frappe aux portes de nombreuses communes. Il est important qu'elle ne puisse pas diriger celle-ci. Il est impensable que des partis xénophobes qui ne respectent pas les valeurs républicaines puissent aujourd'hui et demain diriger des communes de France. Au-delà de ces élections municipales, je souhaite avoir une pensée pour ces hommes et ces femmes élus municipaux qui, depuis de nombreuses années, se dévouent pour leur commune et en particulier pour ceux qui sont élus dans les petites communes. Ces hommes et ces femmes ont des responsabilités de plus en plus importantes. Souvent aujourd'hui, ils sont usés, fatigués et se posent même la question d'une éventuelle réélection. Nous devons réfléchir à un statut de l'élu pour mieux les protéger, car ils portent aujourd'hui trop de responsabilités. Il nous appartient, à nous francs-maçons, de travailler sur ce sujet. Pour les francs-maçons du Grand Orient de France, 2020 sera l'année d'un grand voyage mémoriel à Auschwitz. Si nous travaillons depuis de nombreuses années dans nos loges sur le devoir de mémoire, il m'est apparu important, en cette année du 75e anniversaire de la libération du camp, de se rendre dans ces lieux où l'on peut encore sentir la souffrance de ceux qui y sont passés. Il est important de pouvoir témoigner. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que de très nombreux membres de notre obédience puissent effectuer ce grand voyage mémoriel cette année. Les francs-maçons du Grand Orient de France sont des hommes et des femmes qui ont souhaité donner un sens différent à leur vie. Nos rituels disent que la franc-maçonnerie doit améliorer à la fois l'homme et la société.
C'est là notre responsabilité. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je compte sur vous, car notre tâche n'est pas achevée. Dans cette attente, à toutes et à tous, je souhaite une excellente et douce année 2020.